Bonjour et bienvenue. On est reparti dans notre survie du week-end pour l'aéroport, nouvelle zone du DLC. Ok, on est déjà un peu avancé dans la journée, c'est pas grave. On a dormi le plus qu'on pouvait avec une tisane, donc on a récupéré pas mal de vie. Donc ça c'est bien, c'est très bien même. On a un peu des torches, on a du métal sur nous, on va se vider un peu l'inventaire. Ça. Donc je voudrais aller récupérer plus. Déjà je voudrais aller récupérer le. Ah, qu'est-ce qu'on avait? On avait une peau de serre à aller récupérer. Et potentiellement un peu plus de viande. Plus de viande. On a combien d'eau sur nous? Ok, let's go. Donc on va un peu se balader. On a. J'étais en train de réfléchir en fait. Donc il nous faudrait. Donc plus de viande déjà, ça c'est sûr. Il nous faudrait des peaux, des boyaux. Et il nous faudrait aussi des bois pour faire des flèches ou faire un arc. Bon, ça, ce qui est bien, c'est que ça sèche très vite. Donc ça peut aller très vite, mais il faut en trouver. Il faut en trouver. Le problème dans cette région, c'est qu'il fait assez froid. Donc, ça, c'est un problème aussi. C'est un petit problème. Là-bas, il y a encore la carcasse. Est-ce que ça vaut le coup d'y aller juste pour récupérer la peau, en fait? C'est embêtant. Allez, on y va, dépêche. Par contre, les serres ont dû bouger. Donc on va devoir aller ailleurs pour en trouver d'autres. Bon après c'est pas trop grave, hein. Niveau calories, on a ce qu'il faut pour le moment. Allez, dépêche-toi. C'est froid. Super! Aïe 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 aïe. Je vais être honnête, je sens que je vais vraiment pas aimer cet endroit. Il faut qu'on avance un peu dans la découverte aussi parce qu'on n'a pas découvert grand chose, je vais être honnête. Donc il faut qu'on aille découvrir d'autres choses. Genre vers le. Cet endroit là, enfin cette direction, peut-être. Aïe 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 aïe. Ok. Qu'on se réchauffe maintenant. Incroyable. Ok, très bien. Pas mal de tissu. I'm gonna need to eat soon. Oh. Très bien, comme ça on pourra réparer si jamais on a besoin. On pourra réparer un de nos trucs, à chaque fois c'est une seule peau. Voilà. Bon, les choses, je les avais faites avant qu'on parte, donc niveau pourcentage ça va, hein, mais voilà, c'est faut prévenir quoi. Alors. Je crois que je vais déposer. On n'a pas d'endroit où on pourrait mettre les choses. Pas vraiment. Non, on va tout mettre par terre. Ah, c'est la merde, mais bon. On va tout mettre par terre. C'est pas grave. Ça. Tête de flèche. On va déposer aussi des tissus. Je sais qu'à un endroit où j'ai mis du cuir.
Alors. À la limite, on pourra virer des torches si on a vraiment besoin de poids. Encore 440 calories. Ok. Parfait. Ok. On repart. Alors, ouais, on va faire les pistes et tout ça. On va avancer. On va essayer de fouiller un peu les autres bâtiments, si on en trouve, des autres lieux en fait, qui sont en rapport avec l'aéroport. Et après, on va voir sur les côtés des montagnes et tout ça, pour retrouver des bois pour des flèches, un arc, et peut-être chasser encore un peu plus. Je sais pas si on avait fouillé ça, il n'y a strictement rien. Mais ouais, c'est pas vraiment l'endroit qui me plaît, honnêtement. C'est trop grand pour pas grand chose, honnêtement. Ça me rappelle la vallée, la vallée charmante, où c'est très espacé, les bâtiments. Il n'y a pas grand chose d'intéressant, en fait. Donc pour le moment, mon expérience, elle est pas grandiose. Passe pas un super moment. Évidemment, maintenant on a un brouillard, je pense. Ouais. Ah, petit brouillard, ça va. On a vu pire. Il y a aussi sur la carte, il faut trouver l'emplacement là de ce qu'on avait vu. Avec le papier. Okay. Strictement rien. On a chaud si on se met là ou pas? Non, parce que je voulais dessiner en fait. Il 31. Ouais. Alors on avait vu une sorte de cabane. Ça ressemblait à une... pas une cabane, ça ressemblait à un cabanon en fait pour la pêche. Donc, je voudrais voir si c'est ça. Mais je sais plus exactement où on l'avait vu. C'est quoi ça là-bas? C'est une des pistes d'atterrissage? Là-bas, il y a un avion aussi, il faudra le fouiller. Le problème avec cet endroit, c'est qu'on se demande, mais qu'est-ce qui s'est passé? Genre, le sol, il est tout craqué et tout ça. Genre, il y a eu un tremblement de terre? Il y a eu un tremblement de terre au Canada? C'est un peu fou, quand même. Où est-ce qu'on va, là? Ok. I could eat a horse. Genre ils ont construit un aéroport à côté d'un lac, d'une rivière et tout ça. Ça c'est un peu étrange quand même. Non? Je sais pas, je trouve la zone super étrange. J'arrive pas à trouver la logique de ce qui se passe et ce qui s'est passé, pourquoi là. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est des bâtiments! Cool.
cool. Aha. Par contre, j'avoue qu'il fait froid. C'est quoi à gauche? C'est un loup, ça. C'est un loup, ça. Ok, on a le cerf. On pourrait peut-être se le faire. Mais froid quoi, c'est le problème. Alors, souvenir d'arpenteur. Ah non, c'est pas un jeu. Pas un loup. Pas des trucs cachés. Non. Bon, bah c'est un peu pourri. On commence à avoir froid. C'est un problème. J'ai pas de bois sur moi. Non, je peux pas. Ok, une route. On va peut-être la suivre. Alors, on va rentrer pour se réchauffer. Ouais, c'est pas la joie. Hein. Vraiment pas la joie, cet endroit. Là-bas, j'ai vu un cerf à ma gauche. Par contre, j'ai perdu... où était l'aéroport? Ouais, ça c'est con, par contre. Ah oui, par contre, il y a un truc dangereux, c'est qu'il n'y a pas de bois. J'espère que ça casse pas. Ah ok, ils ont bougé là. Il y en a plusieurs de cerfs. On a un cadavre là-bas. Il n'y a pas de bois en fait. Faut vraiment aller proche de des forêts et tout ça. Ouais, c'est pas. Putain, il nous faudrait un véhicule en fait. Je peux avoir un cheval. Je peux avoir un cheval. Non, mais si on a un cheval, tu le manges pas. Hein. Tu t'en sers de monture. Hein. Parce que là, c'est ridicule. Hein. C'est ridicule. La distance qu'on doit parcourir. Ah mon dieu. Je crois que c'est par là-bas, mais je suis même pas sûr. Ah, si la forêt est là, l'aéroport est là-bas. On va manger un peu. Ouais, non, là, il y a un brouillard un peu trop épais. Là. On va manger un peu, dormir encore quelques heures. Parce que là, ça devient ridicule. Ah, voilà, c'est ça que je cherchais. Ouais, non, mais c'est abusé, les zones... Oh là là. Ah, je crois qu'il y a un loup à ma gauche, là-bas. Ouais, ça devient un peu débile. C'est très grand. Il y a strictement rien. On peut même pas ramasser du bois pendant qu'on se balade. Super. C'est quoi, ça? Waouh, une branche. Une brindille.
Par contre, ouais, faut absolument qu'on rentre. Là, froid. Et tout ça pour strictement rien. Oui. Mais dis-moi, c'est fun cet endroit. C'est un loup ça ou c'est... Oui, c'est un loup. Oh ah, ça c'est bien ça par contre peut-être. Ah, lapin. Yay. Responsable de cargaison, ok. Ouais, on peut dormir ici en plus. Très bien, on va pouvoir dormir un peu. Eh ben, c'est vraiment pas fun ici. Hein. Je suis vraiment pas vendu sur sur cet endroit. Plus chiant qu'autre chose. Je vais être honnête, hein, c'est plus chiant qu'autre chose. Je sais pas trop combien de temps on va rester. En fait, je voudrais rester le temps de peut-être d'augmenter notre cuisine. Alors, le statut de la mission n'est pas clair. L'activité des pilotes semble être normale et conforme à ce qui m'a été décrit lors du premier briefing. Il est difficile d'imaginer comment les activités de l'aérodrome pourraient servir de couverture à quoi que ce soit. Le plus passionnant que la distribution. Quoi ? Couverture à quoi que ce soit de plus passionnant que la distribution du courrier ou la solidarité dans un endroit inhospitalier. Il y a de l'histoire en plus, mais il n'y a rien qui se passe en fait, c'est juste des écrits. Donc je suis pas sûr que ce soit vraiment très intéressant ça aussi. Peut-être que l'histoire ça arrivera en février. Je voudrais bien que ça arrive un jour parce que... Ils nous ont fait beaucoup de promesses, hein. Il n'y a pas grand chose au final. Je peux être honnête. Beaucoup de promesses et il n'y a rien. Vraiment pas grand chose. Ok, on a un jerrycan qui est quasiment plein, c'est très bien. Alors, fais voir. Ça, protection légère neuve. Ouais, non, c'est pas intéressant. On va la ramener, mais c'est pas intéressant. Moi qui fait chaud. Right about now. Putain, bon, mais en tout cas, il fait chaud, c'est déjà ça. Oh. On peut aller là. Putain, on peut aller là, quoi. C'est pour ça que je regarde toujours les tuyaux comme ça. Tiens, du coup, on pourrait faire un feu ici ou pas? Non, oh, c'est nul. Enfin, c'est nul de nul. Bon, évidemment, il fait chaud, mais... Brouillard. Donc je peux même pas cartographier la zone. Ça c'est chiant ça. Je vois strictement rien. Ah,
Attends, mais si là on a les balises, l'aéroport est plus vers là, je crois. Ouais. Oui, il y a le panneau là, on est bon, on est bon. On va déposer tout ce qu'on a, genre le jerrycan et tout ça. Et on va aller vers... vers la forêt, donc de ce côté-là. Pour voir si j'arrive pas à trouver des bois, ce serait bien. Si j'arrive à trouver les bois. Je me demande si j'ai pas des endroits. Là, il y avait une sorte de... où vous entreposez, genre les disjoncteurs et tout ça. Peut-être qu'on peut y accéder. Ah, I'm starving. On va essayer de manger encore un peu pour être positif, mais bon. Enfin, quoique, non, on n'a pas besoin. Parce qu'il fait pas froid. Donc on peut... on peut prendre un peu des dégâts, ça va. Tant qu'on est... Si on arrive à la milieu de vie, là, c'est là qu'on commence à faire attention. Alors... Jerrycan. On n'avait pas trouvé un autre jerrycan? Ah non, 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 c'était... C'était à l'autre endroit qu'on avait trouvé un jerrycan. J'ai rien dit. J'ai rien dit. Ça. Ça. Allez, go, on se casse. Ouais, un peu déçu. Pour le moment, c'est pas le fun. Je vais être honnête, je pense que je passerai un meilleur moment à revenir sur les zones qu'on connaît. Parce que du coup, j'irai d'endroit en endroit, en fait. Parce que là, la découverte, elle est pas top. Comme j'ai dit, peu d'endroits intéressants. Puis il n'y a rien d'unique. Ça, c'est embêtant, ça. Là, par contre, je vois que dalle. J'espère que je ne vais pas me perdre. Genre, il n'y a rien d'unique. Il n'y a rien, il n'y a pas d'objet unique, en fait, à découvrir. Normalement, le... Attends, où je suis là. Oh, je n'ai pas vu ça. Ouais, il n'y a pas d'objet unique à récupérer pour le moment ici. C'est là-bas la forêt? Strictement rien. Ouais, non, mais attends. Ouais, non, mais non. Non, 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 non. Là, on risque de tourner en rond pour de bon, en fait. On a toujours nos pas. Non, mais je vais pas m'aventurer où c'est que je vois strictement rien. Dans un bizarre comme ça. Pour ceux qui avaient regardé mes anciennes... saison. À un moment, je me suis perdu où il y avait du brouillard. C'était à l'autoroute côtière. Dans la glace. Là.
pourtant c'est pas très grand hein. Et ben je m'étais un peu perdu. Et ça a failli mal finir. Parce qu'avec le blizzard et tout, on voyait strictement rien. Donc très dangereux. Ok, ça c'est les gros cailloux, donc il y a les bâtiments derrière. Ouais, voilà. Donc à la limite là on peut mieux un peu se repérer avec les arbres, on va voir. Ouais là on voit le bâtiment, ok ça marche. Même par terre, il n'y a pas de bout de bois quoi, c'est fou ça. Putain, en plus il fait pas froid pour une fois. Vous croyez que ça c'est la carcasse du corbeau? Carcasse du truc qu'on a tué il y a quelques jours. Ouais, ça doit être ça. Pas de plume. Ouais, c'est lui. Okay. On va aller de ce côté. Ça nous fait un point de repère. Donc ça va. Donc là, on arrive proche d'une montagne et il y a des arbres autour. Par contre, il y a des corbeaux partout. Ah, voilà. C'est ce qu'on cherchait. Voilà. Déjà. Ah, déjà ça, ça va nous aider. Ça, ça va assurer notre survie. Ça. C'est-à-dire qu'on va pouvoir renouveler nos flèches. Très très bien. Ok, on peut encore continuer un peu à vadrouiller. Il est toujours pas froid, ça va. Peut-être qu'on peut trouver une grotte ou un truc comme ça, ce serait cool. Ah là, avec notre temps, là, il fait pas froid. J'aurais cartographié tout l'aéroport. Comme ça, on a une carte qui peut nous aider, quoi. Mais là, c'est la merde. Tiens, ça a l'air de se lever un peu. Ça va marcher ou pas? Yes! Ok. Ah bah, putain. C'est quoi, ça? C'est des bâtiments ou c'est des rochers? C'est un bâtiment, ça? J'en sais rien, en fait. Non, c'est un caillou, ça. Je sais pas. Alors, il a l'air d'avoir des choses ici. Là, il nous faudrait juste un bois pour... pour faire un arc. Honnêtement. Et on serait très très bon. J'ai même envie de dire qu'on serait plus ou moins tranquille. Il y a une grotte là ou quoi? Non, il n'y a rien. Est-ce qu'on mange ou pas?
Ah si, il y a une grotte. Ah putain. It's getting dark out here. Time to look for shelter. Nickel. C'est bien ça. Ok. Notre vie, ça va. Pas besoin de... Pas besoin de manger, ça va, on va se débrouiller. On va continuer. Ah, la grotte a été bien cachée, hein. J'ai pas vu. Hein. Je me suis dit, tiens, c'est ça, c'est juste un renfoncement en fait pour. Genre pour faire du feu ou un truc comme ça. Mais non, non, c'était bien une grotte. C'était bien une grotte. On va continuer encore un peu. On n'est pas trop fatigué. On n'est pas trop fatigué. Et le temps est encore bon. Je sais pas si je vais pouvoir monter. Là, ça a l'air un peu raide. Allez, te pète pas une jambe. Fasse attention à ma vie. Ah, si le temps est tout le temps comme ça, honnêtement, ça va. Mais bon, c'est pas tout le temps comme ça, en fait. C'est ça le problème. Si on a des grandes zones à faire à chaque fois. Ok. Ok. Donc c'est chez lui apparemment. Je voudrais juste voir si on peut pas trouver des bâtiments ou des trucs. Ou des choses intéressantes. C'est quoi ? Non, c'est un caillou. Ça, c'est un rocher plutôt. Attends, tu vas me dire qu'on fait tout ce chemin, ça monte, c'est en retrait et tout ça, pour rien. Genre, il n'y a rien du tout, du tout. Ah, il y a une maison. Ah bah quand même. Ah parce que quand même, genre notre exploration avec zéro récompense, ça m'étonnerait. Par contre, faut faire attention parce que j'ai l'impression qu'il y a plus qu'un loup en fait. Je crois que j'ai assez de calories pour passer une journée ici en plus. Enfin, une nuit ici, pardon. Donc ça, c'est bien. On va voir si on peut pas dessiner avant qu'il fasse trop nuit. Ok, ça, c'est sympa, ça. Vous voyez, il faudrait une maison comme ça, en fait. S'il y a une cheminée et tout. Donc, il faudrait un endroit comme ça. À l'aéroport. Il y a du lapin. Ouais, ça serait vraiment bien. Ah merde. Ah mince. Ah putain. Bon, ben, ça m'embête, mais...
This will come in handy. Il y a encore des hélicoptères qui passent par-dessus les montagnes cette année. J'en ai vu 3 le mois dernier. Et déjà 2 ce mois-ci. Ils arrivent toujours quand le temps commence à se rafraîchir. Ça ne peut être que des touristes pas... Ça ne peut pas être que des touristes. Pas en ce moment, en tout cas. Et pas avant longtemps. Et ouais, il y a des choses bizarres qui se passent ici. Pas grand chose au final. Ça sert à rien de faire du feu, honnêtement. Ça servira à quelque chose de faire du feu ou pas? Non, hein. D'accord. Non. On peut pas... Attends, oui, oui, on peut passer. Oui, il n'y a pas de problème. Peut-être manger maintenant, par contre. On va manger tout ça. Il nous faudrait faire plus de thé. Ah, j'aurais pu peut-être faire un thé à la limite. C'est pas grave. je voudrais juste un peu faire le tour, encore un peu. Peut-être faire un... chasser un lapin. Puis on va dormir là. Alors attention parce qu'il y a des loups qui traînent aussi. Des galops, j'ai l'impression. Enfin, des galops. Pas un truc qui galope, mais... Genre des pas de... Peut-être de cerf ou des trucs comme ça, je sais pas. C'est quoi ça? C'est une grotte ou pas? J'ai l'impression d'entendre ça. S'il faut, j'ai complètement faux. Sûrement. C'est quoi ça? Il y a une grotte. C'est rien du tout. Oh, là! Ah, j'avais raison! J'avais raison, il y a bien un cerf. Ah putain. Cool. Ah, il n'y a pas de bois pour faire des arcs. Ah, je crois qu'on a une pierre là-bas pour mettre une corde. Ah, il y a peut-être une corde qui est déjà... Qui est déjà mise. Ah merde. Ah maintenant c'est moins un problème hein, le coup des flèches, donc ça va, j'y vais. Bon après c'est vrai que... 66%. Hein.
Ouais, j'avoue que ça peut être un risque. Pour l'arc. Ouais, il nous faut... Il nous faut absolument des bois pour faire un arc. Sinon, on va vraiment être dans la merde. Enfin, c'est pas encore extrême, hein. On a encore pas mal de pourcents, mais... Comme j'ai dit, il faut prévoir. Tout le temps prévoir. Surtout dans une zone inconnue. Par contre, vive le vent, c'est relou. Elle est où la maison? La maison a disparu. Oh mon dieu, j'arrive pas à avancer. Elle est là la maison? J'arrive pas à avancer à cause du vent, c'est trop bien. Putain, pile devant quoi. Bah, je crois qu'on va mettre fin à notre épisode. Peut-être un peu tôt pour mettre fin à notre épisode. Peut-être un peu tôt, mais... je sais pas si je peux rester très longtemps. Alors, ça... Ah, on va mettre fin à notre épisode. Ça. On pourrait faire un feu pour cuire la viande, mais... Ah, quoique. En fait, si, on peut le faire. On pourrait faire un feu. Surrounded by snow. On pourrait faire un feu parce qu'on a quand même pas mal de trucs à cuire. Qu'est-ce qu'on fait? On fait un feu à l'intérieur ou à l'extérieur? Intérieur. Les allumettes. Quoique non, j'ai de l'accélérant, ça va. Bon, par contre, pour trouver la... Oh mon dieu, je vais pas y... Ah! Ah! Oh! C'est bon. Très bien. Alors, 1h20, 30 minutes, 30 minutes. Alors, un truc que je veux faire, c'est ça. Comme ça. Oh, 1h15 pour les recycler? Merde, je pensais que c'était rapide. Ah, c'est les gants et tout qui sont rapides, pas ça. Ça fait beaucoup, là, en fait. Du coup... Tiens, rideau.
bien fait de rentrer. Tempête apparemment. I've never been so hungry in my life. Pas mal. Ouais, comme ça on mange tout le lapin. Excusez-moi. Alors une tisane, je voudrais en faire une. Comme ça on en a une d'avance. On a deux cafés, c'est très bien. Les cafés ça c'est ce qu'on en... Je crois qu'on en avait crafté un, enfin fait un. Et après on avait trouvé l'autre. C'est très bien. C'est pas pour la boire maintenant, c'est juste histoire de la faire en fait. On a 15, très bien. Là on en a 2, c'est très bien. Ouais, je pense qu'on va s'arrêter là. Épisode un peu plus court, mais ça va. On est à quasiment un peu plus de 50% de notre vie, donc ça va. On peut dormir tout simplement et récupérer de la vie. Il n'y a pas grand chose à faire. On va rentrer. La prochaine fois, bon, on rentre. On rapporte donc tous ces bois, boyaux, pots et tout ça. Donc ça c'est bien, ça va nous permettre de pouvoir faire des flèches et tout ça, c'est cool. Qu'est-ce qu'on avait récupéré? Ah oui, on a ça, clé de boîtier, mais ça va être fouillé. Ah tiens, tout ça, ça a été reset ou pas? Ah non, pas du tout en fait. Non, non, tous ces trucs-là, ça n'a pas été reset. Je crois pas en tout cas. Ouais, allumage de feu, on est bientôt à 3. Il était temps. On est toujours à 3, on tire à l'arc. La cuisine, ça met énormément de temps à monter. Ouais. Bon bah ça va, on avance, mais encore une fois... comme j'ai dit, je suis pas très très vendu par la zone en fait. Je la trouve pas vraiment intéressante. Il y avait... Attendez, hop, rideau. Le canyon des cendres était sympa parce que ça montait, ça descendait, c'était assez intéressant je trouvais. Blackrock était ok, j'ai pas aimé plus que ça non plus. Je trouvais la prison... En fait, la prison apparemment, donc elle venait de l'histoire. Je trouvais que la prison, elle était extrêmement limitée par rapport à l'histoire. Parce que dans l'histoire, on pouvait aller à pas mal d'endroits. Mais dans la survie, du coup, c'était très très limité. Donc au final, je trouvais la zone pas extrêmement super, mais ça allait. Mais ouais, le canyon de descente c'était une de mes préférées, mais je peux plus. Je peux même plus vous le montrer parce que du coup on peut pas changer de carte en fait, on peut pas changer de grande carte. Après ouais, cette zone c'est bof. Ouais, je suis pas très très heureux pour le moment. On va se débrouiller. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé. À la prochaine. Portez-vous bien. Ciao.